Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le mouvement arménophile en France, hommage à l'Arménie occidentale. Le Conseil des droits de l'homme de la République d'Arménie a présenté à Bruxelles des violations flagrantes des droits de l'homme à la suite de l'attaque de l'Azerbaïdjan contre le territoire de la République d'Arménie. Regard sur les foyers des Arméniens en exil au Liban, trésor de l'Artsar, le château de Chikakar. Comment Komitas a aidé le musicien turc à découvrir son identité arménienne. Condoléances de la télévision d'Arménie occidentale au député Benjamin Hovhannissian. La fondation d'un château a été trouvée dans l'ancienne colline Zernak-Devan. Anatole France, le grand humaniste que nous connaissons, a vivement protesté et condamné le massacre d'Abdul Hamid II. On le voit en 1916 avec son discours à la Sorbonne, alors qu'il était très vieux et malade. À quelques jours de vote du Sénat sur une résolution visant à protéger les Arméniens en danger existentiel, nous vous invitons à lire ou relire ce discours d'Anatole France, tragiquement d'actualité. Lisez le fil de discussion complet sur notre site web. La défenseuse des droits humains Christine Grigorian a participé à la session de dialogue RAI-UE sur les droits humains à Bruxelles le 7 novembre. Christine Grigorian a présenté des violations flagrantes des droits de l'homme à la suite de l'attaque de l'Azerbaïdjan contre le territoire de l'Arménie en septembre 2022. Le ciblage direct de la population civile et des infrastructures vitales, la torture de militaires et prisonniers de guerres arméniennes, les cas de traitements inhumains et de mauvais traitements, ainsi que le fait consigné dans les rapport extraordinaire publié par le défenseur. Le défenseur des droits humains a également parlé de la création et des principaux objectifs des conseils publics pour la protection des droits des femmes, la protection des droits des enfants et des jeunes rattachés à la défenseuse. L'Arménie occidentale a enregistré de nombreux cas de violation des droits de l'homme et de torture, à la fois lors des récentes hostilités pendant la guerre de 44 jours de 2020. Le dossier, qui a été préparé par l'Arménie occidentale, a été présenté sur diverses plateformes internationale. Cependant, l'accent est mis principalement sur les droits des Arméniens d'Artsakh, pour lesquels un grand nombre d'affaires judiciaires sont actuellement en cours. Les trois dernières requêtes complètes ont été soumises à la CEDH il y a de cela quelques jours. Les écoles des Arméniens en exil, les plus organisées et les plus nombreuses, étaient situées au Liban. Dans les années 1922 à 1926, l'Église apostolique arménienne comptait 15 écoles, la catholique 8 et l'évangélique 6 écoles ici. Plus tard, le nombre d'écoles arméniennes a augmenté et en 1975, avant que la situation politique du pays ne s'aggrave, il y avait déjà 68 écoles arméniennes. Parmi les principaux établissements d'enseignement arménien à Beyrouth figuraient Sahakian Levon Mekarchan, les collèges évangéliques arméniens, le séminaire Nishan Palandjian, l'école secondaire de Vienne Mkhitaryan et d'autres institutions. Le nid d'oiseau de Beyrouth, qui est un niveau préscolaire, a été fondé en 1927 par la missionnaire danoise Maria Tsakopson, qui a sauvé la vie de nombreux orphelins arméniens pendant la Première Guerre mondiale. L'école arménienne pour aveugles et muets fonctionne dans le district de New Adana, fondée en 1926 par l'Union suisse des patriotes arméniennes. En 1975, le nombre d'élèves dans les écoles arméniennes au Liban était de 17 000. La forteresse de Chikakar est située dans la région de Metsaran, province d'Artsakh, à 1,5 km à l'ouest du village de Khoramort, district d'Askeran, République d'Artsakh. Dans les années 22, 18e siècle, les Sernars situés dans les Émirats du Karabakh ont joué un rôle majeur dans le mouvement de libération arménienne, dont l'un était le résident de Chikakar Karaglu. Plusieurs conflits militaires durant la guerre russe-perse au début du 19e siècle sont également liés au passé historique du fort. La forteresse de Chikakar a été construite sur un plateau à 1000 mètres d'altitude. Le plateau, qui couvre une superficie d'environ 300 hectares, a de bonnes conditions de vie, de l'eau, des peintes fleurs, des terres arables fertiles à de belles forêts. Les bâtisseurs du fort ont magistralement utilisé l'imprimabilité du terrain. Il est entouré sur trois côtés de falaises naturelles difficiles d'accès et insurmontables, où se trouvent cinq grottes célèbres.
Il y a 10 ans, Yashar Kurt, 40 ans, soliste du célèbre groupe de rock Bayaz Yunus, le Dauphin Blanc, en Turquie, a fait une découverte fatidique pour lui-même qui a complètement changé sa vie après avoir rencontré le musicien arménien Arto Tomboçian à Constantinople. Yashar est arrivé en Arménie à son invitation. Il est frappé par la ressemblance entre lui et ses proches avec les Arméniens qu'il rencontre dans la rue. Et lorsque voit une photo de Komitas sur un disque dans un magasin de musique, il est surpris de voir à quel point il ressemble à Komitas. De retour en Turquie, il demande aux anciens de sa famille de devenir leur racine familiale. Et c'est alors que Yashar apprend son histoire familiale qui lui avait été soigneusement cachée pendant des années. Les membres de la famille de musiciens lui disent qu'il vient de Van lors des massacres qui ont eu lieu en 1915. Seul un garçon de 9 ans nommé Ismail a été sauvé de massacre et il est devenu le prolongement de la lignée de musiciens. Cette histoire a eu un effet choquant sur Yashar. Il a quitté la Turquie pendant environ 2 ans et ne s'est presque pas engagé dans la musique, car il était complètement rempli de colère. Pendant ce temps, il commence à étudier et à lire des documents sur le génocide des Arméniens. Et comme il l'a dit lors d'une des interviews, il commence à écouter davantage sa voix intérieure. À propos, Yashar a scellé son identité arménienne, recevant le nom d'Arshak. Comme en Arménie occidentale, de nombreux Arméniens à l'exemple de Yashar ont oublié leur racine dans certaines circonstances. Cependant, les mesures que prennent les dirigeants de l'Arménie occidentale conduisent maintenant à la découverte de l'identité et au retour aux racines arméniennes. La télévision d'Arménie occidentale informa avec une profonde tristesse du décès prématuré de l'épouse du député d'Arménie occidentale, notre collègue Benjamin Hovhannissian. L'ensemble du personnel de la chaîne de télévision exprime sa peine et son soutien à M. Benjamin Hovhannissian. Sa famille et ses proches reposent en paix, cher Arménien. Dans la province d'Artsakh-Devan, dans les ruines de l'ancienne ville avec un plan en forme de grille, le mur de fondation de château et une urne ont été trouvés, des inscriptions en araméen, des objets en céramique. Des murs antisismiques de 4 mètres de large et de 6 mètres de haut ont déjà été trouvés dans les ruines de la ville antique. La fondation du château a été placée sous protection et l'urne a été emmenée au musée Van pour examen. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Oh,